tous. Alors, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas trop s'il y aura beaucoup de vues, mais je sais que je vais pas parler quelques secondes et dire bah, la liberté a un goût amer. C'est un peu trop facile comme réaction, sachant que je suis sorti du jeu. Et je savais pas l'homo sapiens, l'humain. Déjà là, je suis sorti depuis je sais pas combien de temps, mais ça fait un petit moment. J'ai pas parlé de cette liberté parce que j'avais peur qu'on grimpe sur le fait qu'elle n'est pas définitive ou que je suis pas vraiment sorti du jeu. En vérité, je savais que non. C'était définitif et je suis vraiment sorti du jeu. Je le savais, mais des gens ne le savaient pas vraiment. Enfin, ils le savaient aussi, mais ils font encore semblant. C'est agaçant. Puis là, je vois le monde avec toutes ses valeurs superficielles, se soucier de ses petits problèmes. Ils ont fait toute une éloge de ce jeu. Ils en ont parlé pendant 30 ans. Et maintenant, quand on s'y met bien, je constate qu'en fait ils ont plus du tout envie de parler de ce problème. Même si c'est un problème, c'est bien, surtout. Donc là, ils se soucient principalement de leurs soucis à eux, et pas trop de ce que je ressens, ce que je pense. Je passe plus à la télé. Ça les intéresse pas. Fallait pas sortir presque. Hein, ouais. Alors l'amour, j'y crois. Je sais pas. Hein. Pas l'amour que je suis en train de vivre, c'est l'amour que je suis en train de vivre actuellement, je suis en train de douter. Tout simplement sur le fait que ce soit vraiment un coup de foudre. Qu'il m'aime vraiment, que ce soit vraiment le jeu. C'est possible. Je sais pas. D'un côté, j'ai envie de me dire que ce serait trop beau pour être vrai que ce soit le véritable amour. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire qu'il ferait semblant, tu sais. Payé par la prod, non. Je sais pas. J'ai pas envie d'être une star pour ce que j'ai fait. C'était rien. Bah, surtout qu'on en a fait toute une émission de télé-réalité. C'est surtout ça qui est intéressant dans l'histoire. Au final, si on regarde bien, j'ai rien d'exceptionnel. Bon, après, je sais pas, peut-être que justement cette humanité de laquelle je parle, ça fait rouler. J'ai pas le même ADN. Non. J'ai pas le même ADN que. C'est malheureux, hein, mais c'est vrai. S'il y a des morts, c'est pas mon ADN. Paradoxalement, j'ai pas pardonné. Non, je suis pas parfait, j'arrive pas. Sur l'aspect juridique, en fait. L'aspect juridique. Juridiquement, comment est-ce possible? Dans un état où la devise est liberté, égalité, fraternité, comment j'ai pu en arriver là? Liberté, non, égalité, non, fraternité, non. Donc c'est pourquoi. L'extérieur me paraît moins dangereux que l'intérieur. C'est normal. Je passe plus inaperçu, entre guillemets, inaperçu. Et bon, l'extérieur, c'est grand. Ça me fait bizarre de remonter des rues qui étaient si petites. Dans le jeu, qui sont si grandes dans la réalité, que je sais que je suis sorti. Les cours de langue que je donne, c'est pareil. C'est beau. C'est beau d'être amoureux. Et quand
quand vous n'avez pas la liberté, à quoi bon? Quand vous rêvez de liberté. Un rêve, ça peut remplacer une réalité. Un rêve, ça peut remplacer une réalité, mais par contre, ça n'y est pas. Quand le rêve est réel, qu'est-ce qu'on pense? Que je me suis fait léser, que j'ai halluciné? Non, c'est pas ça. C'est pire. C'est un rêve qui est réel. Ils n'ont pas défini réellement la réalité, mais bon, vous êtes conscient quand même, j'espère. Que déjà, ce sont des gros fachos, premièrement. C'est important. Et plus tard, peut-être moi, sinon je sais comment ils sont. Et surtout aussi le fait que bah, j'ai appris des choses. Même si c'était un jeu, j'ai appris plein de choses. C'était pas un jeu. Sortir, c'était pas le rêve absolu, parce que j'ai manqué de rien, j'avais tout ce qu'il faut. C'était plus un truc qui n'était plus à faire et que tout le monde attendait. Et ma destinée, si j'aime la personne avec qui je suis, il fallait que je lui montre que pas comme on dit. Et montrer à quelqu'un que c'est pas comme on dit, bah c'est simple, il faut faire autrement que ce qu'on dit. Et c'était ça, sortir. Quand j'avoue l'espoir. Non, ça n'est plus, j'avoue, j'ai plus trop d'espoir, vraiment. Je dirais, vous avez péché gravement contre le Seigneur, parce que là, je reste une personne. Et l'espoir, oui, c'est ce qui va me manquer. En fait, il me reste que la foi. Et l'espoir, c'est ce qui va me manquer, parce que je me dis, si ça ne marche pas avec la personne avec qui je suis, l'amour, j'aurai de l'espoir que tout le monde est au courant de ce jeu. En 100 ans, peut-être, j'aurai de la chance. Là, j'aurai peut-être un peu d'espoir. Mais dans 100 ans, c'est mort. En attendant, là, maintenant, tout de suite, l'espoir en ça. Ça ne marche pas avec la personne que j'aime. Ça marchera jamais, je ne retrouverai jamais l'amour. Donc quoi? Il reste quoi? La générosité. Généreux envers les gens. Gens qui auraient voulu que je sorte quand même. J'espère qu'il y a encore des gens qui croient en tout ça, mais c'est quoi la générosité, tout ce truc-là. Qui n'espère pas que le mal règne sur la terre, parce que je crois que cette civilisation va être condamnée, mais après, je reste assez. Le fait que l'humanité soit vraiment bonne, je crois pas ça. J'ai jamais cru ça, en fait, dans le jeu, que l'humanité était bonne. Non, quand on vous dit plus tard, je répéterai à ce qu'on dit, quand on vous dit pauvre Samy, c'est pas grave, c'est pas une bonne personne. La paix, est-ce que j'y crois? Non. Par contre, là où j'ai trouvé un arrangement, il faut s'y tenir. L'homo sapiens a le droit de disposer de la terre. C'est-à-dire l'espace aérien, c'est à nous, l'espace maritime, c'est à nous. La terre, je vous la livre. Mais bon, ça c'est pas pour faire la guerre. Hein. C'est pour que vous puissiez perdurer. Ça vous appartient, c'est la terre.
c'est la Terre et que finalement les gens vous le redonnent bien, que c'est votre planète, c'est tout. Donc, du coup, on s'est dit, faisons un geste, sinon ça ne s'arrêtera jamais, laissons-leur hériter la Terre, l'administration s'en. L'armée de l'air et l'armée de et la marine, c'est d'autres choses, d'autres domaines de compétences qui ne répondent pas d'un homo sapiens vraiment, mais c'est autant. C'est autant parce que au final, dans tout ça, comment moi je me fais avec? Je suis prisonnier. Comment moi je me fais condamner? Des péchés très graves envers le Seigneur. Les moqueries, les ricanements, les moqueries, l'orgueil. Et la jalousie aussi. On ne nous a pas dit que quand on sortirait, ça serait jaloux. Ils n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt pour nous. Ils sont superficiels, malsains. Avant d'un scoop, une info, du quota, pour rire. C'est tout. C'est complètement matérialiste et superficiel. Il n'y a aucun intérêt spirituel pour ce que je vois. Si je trouve ça nulle part, des intérêts spirituels, des intérêts intellectuels, je m'en. Cette pagaille. C'est dommage que certains ont pris plus. Et ceux-là sont.